Alors, de retour pour la deuxième vidéo. Donc là, j'ai battu pendant 10 minutes, un quart d'heure. Comme vous pouvez le voir, c'est bien mousseux. Voilà, ça vous donne ça, vous donne 10 minutes, un quart d'heure. Donc maintenant, on incorpore gentiment, j'ai bien dit gentiment, pas comme des sauvages. Hein. Donc moi, je le tamise. D'ailleurs, les boulangers, pâtissiers tamisent aussi la farine hein, pour les génoises. Donc vous tamisez votre farine, vous en mettez un petit peu, et là vous mélangez tout doucement. Pour pas que ça retombe. Faut pas que ça retombe votre farine. Voilà. Gentiment. Voilà. Ça se fait délicatement. Donc si vous avez quelqu'un de Brutus, et ben vous évitez de lui faire faire. Pourtant, t'es Brutus, toi. Oui, pas pour tout. Je te rappelle. Donc, voilà. C'est plaisir pour l'amour. Donc vous mélangez gentiment. Quoique. Là. Ah, faut bien que je t'embête, hein. Dans une semaine, c'est ton anniversaire. Oui, on va peut-être éviter le sujet qui fâche. Eh oui, un an de plus. Voilà. Bon là j'ai fait pour 6 personnes, hein, mais vous allez voir, ça fait une fois que c'est fini, ça fait une sacrée bûche. Hein. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais. Donc c'est vrai qu'il y a la préparation, on va dire, pour la bûche de Noël à ma façon, comme je vais vous faire voir, c'est assez long. Mais bon, le résultat est sympa. Puis en plus, ça vous coûte pas cher et vous avez une bûche de Noël assez. Qui est personnel quoi. Vous n'êtes pas obligé de. Par exemple, moi j'ai pris la confiture de fraises. Parce que ça se marie très bien avec le chocolat, la fraise. De toute façon, t'aurais pris de l'orange et j'en aurais pas mangé. Voilà. Après, il y a différentes. Vous pouvez mettre, par exemple, au lieu de mettre la confiture de fraises, vous pouvez mettre bah, n'importe quelle confiture. Ou même carrément aussi bah, la pâte à tartiner. Hein. C'est vous qui voyez comment vous voulez vous faire votre bûche, à quel goût, à quel perfant. Un truc qui est marrant, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez fait quand vous êtes en train de mélanger votre génoise, votre battre votre génoise pendant un certain temps, vous remettez un peu de collant alimentaire. Par exemple, ça va vous faire une pâte, une génoise. Par exemple, si vous mettez du bleu, bah, ça va vous faire une génoise verte, puisque le jaune et le vert, le bleu, ça donne du vert. Donc ça va vous faire une génoise verte, c'est assez marrant. Nous on a fait le coup, c'est marrant, on avait fait le coup avec, pour les enfants, on avait, C'était les crêpes. c'était les crêpes. J'avais mis du colorant alimentaire dans les crêpes, ça n'a pas de goût hein, le colorant alimentaire. Et donc bah, ils se retrouvaient des crêpes vertes et des oranges. Sur le coup, quand ils ont vu les crêpes arriver à table, ça a été. Ouais, c'est quoi ça? Je te rappelle que tu avais fait le coup aussi à ta belle-fille. Alors, j'avais fait le coup à ma belle-fille, la femme de mon fils Paul. C'est avec Paul qu'on avait fait les couillons. On avait rajouté dans l'eau de cuisson des pâtes du colorant alimentaire bleu. Donc, ça nous a donné des pâtes vertes. Et Paul l'a regardé, il fait, bah, ça fait 6 mois qu'on les avait fait, qu'ils étaient dans le frigidaire, on savait pas quoi en faire, bon, on te les sert maintenant. Je vous raconte pas la tête de Philippine qui est arrivée à la maison, qui c'était la première fois qu'elle venait manger à la maison, la tête qu'elle faisait. Donc, vous voyez, ça me donne ça. Ça me donne une pâte assez onctueuse. Voilà. Donc après, bah, pas compliqué, bon, ça c'est dans la troisième vidéo. Donc, vous prenez votre lèche-frite. Ou alors, à moins que vous ayez des moules spéciales. À moins que vous ayez un moule spécial assez. Pas trop épais. Non, parce que maintenant je sais qu'il existe des moules à. Et. Pour bûche pâtissière, donc. Oui. Hop. Alors là, par contre, au niveau de la cuisson, bah, je ne peux pas vous dire, moi personnellement, parce que moi, j'ai pas un four à chaleur tournante, donc ceux qui ont un four à chaleur tournant, tant mieux. Je vous dis, le seul truc que je peux vous dire, c'est surveillez votre gâteau. surveiller la cuisson. Hein, c'est pas compliqué à vérifier. Donc, voilà, il y en a une qui joue des gourmandes. Eh hey, merde! Voilà, du coup, moi je fais des bêtises. C'est de sa faute. Hein. Oh, c'est toujours de ma faute. Ouais. Voilà. Donc. Ah, j'ai bon dos. Ouais. Qui c'est qui faisait le couillon hier sur la soirée à thème? Vous étalez.
Bon, ça va pas faire épais, c'est fait exprès, hein. Vous allez comprendre dans la troisième vidéo. Bah oui, pour la rouler, il faut pas que ça soit trop épais. Bah voilà. Sinon, ça va casser. Donc, vous étalez bien. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique avec la feuille de... De toute façon, on recoupe après, donc... De toute façon, on coupe après, donc ça, c'est pas gênant. Donc, j'essaie de faire quelque chose de propre. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, après, si, voilà, c'est pas trop gênant si c'est pas trop, trop bien étalé au carré, hein. Voilà. L'important, c'est que... Ça donne des formes pour la génoise, et puis c'est tout. Voilà. Hop. J'essaie de partir bien comme je peux. Voilà. Et maintenant, ben, ça va être... Tiens, si tu veux lécher. Ah, d'habitude, c'est toi qui lèches. Ouais. Donc, bah, votre four, c'est 180 degrés. À peu près, voilà, 150-180 degrés. Voilà. Donc ça, bah, direction le four. Surveiller le temps de cuisson en moyenne, ça, là ça va assez vite hein, puisque c'est plat, c'est très plat, donc la cuisson va être rapide. Donc surveiller la cuisson et puis bah, je vous donne rendez-vous dans, on va dire, une dizaine de minutes pour la troisième vidéo, pour la finition.